Notre binôme avec Boilem fonctionne de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire que quand on travaille, personne ne parle, on écrit, il n'y a pas une mouche qui vole dans le bureau. Et comme on est deux copains comme cochons, une fois que c'est terminé, eh bien ça devient n'importe quoi. Notre binôme, on fonctionne pour de façon très stratégique, on va dire. On bosse énormément, surtout exclusivement chez Stéphane. Quand on se donne des horaires, je me pointe chez lui. On a chacun un ordinateur, à peine le temps de boire un café et ça bosse. Ça bosse à fond, d'ailleurs. Très très sérieusement, on est des moines en gros, faut vous imaginer des moines en train de bosser. Bon, de temps en temps, il y en a un de nous deux, s'il n'y a pas d'ordre prédéfini, mais il y en a toujours un de deux qui dit une connerie pendant qu'on écrit parce qu'il a besoin d'une soupape rapidement. Mais l'autre est là pour recadrer le duo et il n'y a pas un qui le fait plus que l'autre. Mais sinon, on bosse à fond jusqu'au moment où on se dit, tiens, on a terminé, maintenant on peut se détendre tranquillement, parler de tout et de rien et rigoler un peu. Sinon, on travaille de façon le plus équilibrée possible. En gros, là sur le deuxième ouvrage, on signait avec le numérique, on prenait une thématique, une ligne du sommaire et chacun bossait sa partie. Et une fois que la partie était écrite, on intervertissait entre guillemets nos copies, et puis l'un corrigeait la copie de l'autre et vice versa. Et après, on mettait les choses en commun pour réécrire, fignoler en tous les cas, chaque fiche.